Speaking too fast. Welcome back to the EdgeTV Show. We're at week 14. Can you believe we're 14 weeks into this thing? 14 weeks. I know we have some loyal viewers. We have some loyal viewers. Absolument. Oh, absolutely. We're glad you're tuning in. Hey, qu'est-ce que t'as pensé de la nouvelle entrée, Paul? La nouvelle musique d'entrée de scène? Yeah, we'll see. We'll see. I hope the lawyers don't write us. C'est original, c'est René qui a écrit cette chanson-là. René, yes. Uh-huh. Talented songwriter, he is. He is. He's responsible for all the Beatles music. All of it. It's amazing. Anyway. Yeah, and he's only like 41. I don't know how he did it. Anyway, message from our sponsor. This episode of the EdgeTV Show is brought to you by Productions Edge, a video production company. We're back. We're back from the break. It's the EdgeTV Show, episode 14. Hello, old man. We have a special treat for you this week. We are going to call our brand new freelance correspondent using the Skype technology. We are so up to date at EdgeTV. So up to date at EdgeTV. Good day. Hello. Who is this? Huh? Is this our new correspondent? It's Paul. It's Paul Chapman at EdgeTV. We are so happy to have you on board now as our new freelance, our guy driving around. Are you a guy? Vu que t'es notre reporter, t'as pas été voir si les pêcheurs avaient des bonnes captures? Mais j'ai pas été encore, là. Je suis pris. Ben t'es pris. Pourquoi c'était pris? Qu'est-ce qui se passe? T'es notre correspondant. Ben j'ai mis mon cacro dans le ditch, là. Dans le ditch, OK. J'ai vu une petite shrub de noisette, là, puis j'ai dit pour checker ça, puis j'ai acheté pris. OK, we got to wrap this up, Jill. Thanks. We got to wrap this up. We got to go. What's it mean? Got to go. Got to go. Je vais aller. I got to go. Je vais aller. Merci beaucoup, Jill D. À la prochaine. Yeah, bye-bye. Oh, man, that's going to work out, that guy. That's going to work out. Oh, man, watch this commercial. Productions Edge makes videos quickly, creatively, and cheaply. Not cheap looking, inexpensive, affordable. And now video can be used in so many ways. Loaded up on YouTube, a good video can be embedded in your webpage or promoted on your social media account, which, as a creative marketing house, Productions Edge can help you set up as well. We can do more to help market your business. Contact us, Productions Edge. Bonsoir tout le monde, bonjour, bon matin, bon après-midi, whatever time you're watching, whatever your time you're watching the EdgeTV Show, have a good time. It is a good time. C'est le fun à faire. It's fun. There were just so much fun. We're going to have a quick look at the newspaper now, because we always like to look at the newspaper. Cette semaine, ce qu'on va faire dans le journal, on va donner Lisa pour une bonne histoire. Homer pour... Homer, when things aren't... well, you know, we think people are doing the Homer. Toutes les passer rapidement. You need that down here? Jill is talking to me. Hey, Jill doesn't talk much. But you gotta listen to him when he does. Okay, on commence avec la plus grosse. Legal matters being resolved in sale of Caribou Mines. They're gonna open up that mine. Yeah! Pump out that water. Je pense que c'est
Yeah, yeah, that's good. That's good. Uh-oh. Oh, no, I gotta get away from that story. Excuse me. Excuse me. Go. Excuse me, talk to the camera for a second. Okay. About something. Okay. Ça a l'air que mon chum ici. Je vais passer à la prochaine histoire. Excuse me, folks. I had to do Mais that. Je peux pas lire en anglais trop bien. J'aime mieux laisser Paul lire en anglais. Father State Malaysia's government moving too slow and invest in B. Invest in B. Oh, yeah, you're moving right along there now, Brian. Ha! It's one of not moving slow now. It's your Homer or Lisa. So. Well, that's a Homer. No! What do you think? Be honest, I know what you think. Hey, don't be shy. Don't be a chicken. Now, I see Greg Mulock is trying to be Edge TV because I see about Frank Branch has made his trial bilingual instead of English only. Ah, c'est beau, ça, ça. Well, that's because he has some witnesses that are going to be both. Lisa. Well, yeah, sure. And if it delays his trial. Homer. No! Well, no, good for him, I guess. But then over here in the flashback section, okay, there's a story about the North Shore Forestry Syndicate has bought the Madran Tree Nursery. Frank Branch, manager of the North Shore Syndicate. It's kind of cute that makes the paper. That's kind of an Edge TV thing, Greg. You better be careful, Greg. Man. Yeah! Anyway, but there's a story over at that North Shore Syndicate, and I know people want to know about that story because they had when it's 2005 since Frank was first when this all started happening. It's now 6 years later. When he left, that place had $2 or $3 million in the bank, and now it's gone. I wonder who would take that. The ghost of Bin Laden will live on the Phantom Ship. Okay, pause. It's going to be the Phantom Ship. Oh, my God, there's Bin Laden. Anyway, that's a Homer. No! That's a Homer. Definitive, Mo. Anyway, what's not a Homer is what's coming up. Because last night, what happened? Last night, on a eu un beau jam ici encore hier soir. Et là, on avait une bonne, là. Une bonne qui vient du groupe Certified. Caroline Boudreau est avec nous autres. She is so great. It's great to have a woman guest artist as well on the show. Oui, c'est vrai. Ça fait changement. Yeah, c'est ça des hommes. Yeah. What? Yeah, good to have a girl. Hey, merci d'avoir venu, Caroline. On vous montre ça tout de suite. Anyway, you watch what happened last night. Eh bien, on est ici encore une fois au Thursday Night Jam de Edge TV. On a assez de plaisir. Et puis cette semaine, on a la chance d'avoir avec nous autres Caroline Boudreau. Vous la connaissez peut-être du groupe Certified, qui sont bien populaires dans la région. Et puis, c'est ça, Caroline, merci d'être ici avec nous autres. Comment ça va ce soir? Bien, merci à vous autres de m'avoir invité. Puis ça va bien. Ça va vraiment bien. Ben ça, c'est super à entendre. Écoute, Caroline, évidemment, les gens sont impatients de t'entendre jouer de la musique pour nous autres. Mais avant, j'ai quelques questions à te poser. OK, comme je viens de mentionner, on sait tous que tu joues avec Certified. Est-ce que vous avez Certified des venues à venir cet été dont les gens ne sont pas au courant encore, qu'on devrait les mettre au courant? Bien, c'est sûr que le highlight de notre été qui s'en vient, c'est le gros show de Hospitality Days. On a vraiment hâte. On était là en 2009, puis on a fermé pour Loverboy. Puis cette année, on a le immense plaisir de fermer pour Harley Quinn, Headpins, puis Honeymoon Suite. Donc je pense que ça va être un méchant party, puis on a hâte de monter sur la scène pour filer l'énergie du festival. Caroline, la chanson que tu vas nous jouer, c'est une composition de ta part? Oui, c'est une de mes compositions. C'est une chanson que j'ai écrite pendant que mon frère était en mission militaire en Afghanistan. Je l'écris en mémoire de tous ceux qui sont décédés en Afghanistan. On a bien hâte de l'entendre. Caroline Boudreau. All I want is to come home, but I'm keeping on. I'm keeping on. When the children of this world throw rocks at the hands reaching out. Life as we know is left in the unknown, and I'm wondering if anybody else is understanding. Sometimes a few kind words, a familiar voice, it's just what I need.
Caroline, est-ce que tu fais partie de d'autres groupes dans la région? Est-ce que tu joues de la musique avec d'autres personnes, seule? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas de toi, côté musical? Oui, ben, je joue avec plusieurs musiciens. Je joue juste avec mon orchestre certified, puis moi, personnellement, je fais des spectacles acoustiques. J'écris ma propre musique, mais une chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est que dans la région de Bathurst, il y a un gros nombre de musiciens. Puis, il y a beaucoup de ces musiciens-là qui ne jouent pas nécessairement sur des scènes, mais qui sont des excellents musiciens. Puis nous autres, on a genre notre groupe. On se rencontre une fois par semaine, une fois par deux semaines, on jam ensemble. Puis c'est de là qu'on apprend tout à jouer avec les autres. Puis c'est là que vient l'énergie de jouer de la musique. Puis je suis sûre que les autres musiciens seraient d'accord d'entendre ça aussi. C'est comme ça qu'on apprend. Puis nous autres, chez EdgeTV, évidemment, on est heureux d'entendre des choses comme ça. Et puis, on va certainement avoir d'autres musiciens de votre petit groupe ou grand groupe, je ne suis pas au courant, sur notre émission. Et j'espère qu'ils vont venir jammer avec nous autres les jeudis soirs à venir. Caroline, est-ce que toi, seule, tu disais que tu faisais des spectacles seul? Est-ce que tu as des spectacles en vue prochainement ou... Oui, ben justement, pas prochainement, mais cet été, je vais jouer... au Waterfront, on sait qu'il y a des spectacles là tout l'été. Ça commence, je connais pas la date exacte, mais ça commence dans le mois de juin, en tout cas, si je me trompe pas. Puis, il va y avoir des spectacles là les mardis, les vendredis, les samedis. Et puis, moi, je vais jouer à la fin août, le 26 août, si je me trompe pas, qui est le dernier spectacle. Donc, ça me donne du temps en masse pour me préparer. Puis, sauf le meilleur pour la fin? Qu'est-ce que oui! Caroline, c'était un plaisir de t'avoir ici avec nous autres chez Edge. Merci et s'il vous plaît, reviens nous voir une autre fois. Merci à vous autres, j'ai vraiment eu du fun. Puis manquez pas ça, la gang, les jams du jeudi soir, ça se bat pas. My brother's fighting for us and falling for wrong. Sometimes all I want is to come home. I'm keeping on. I'm keeping on. Keeping on. Oh, I'm keeping on. To Pat Duffy, Special Olympics. They had a great week. Just a couple weeks ago. Yeah, Elisa to her. This Friday, today, what? There's a zombie infestation. The zombies are coming. The zombies are coming. If you see zombies, run them over. Because they're already dead. They're dead, right? So you can't kill a zombie. So, Homer, where'd Homer go? Homer. Oh, there he is. Homer. Homer to the zombies. Anyway. Une photo aussi de Glenn Ferguson. Oh, I do? We've got a Homer here. You can do that. Yeah, there it is. As-tu vu ça, toi? Let me go. Ah, voilà. Notre ami Glenn Ferguson. Bonjour, Glenn, en passant. Oh, yeah, look at this. Ah. There it is. Bonne idée, ça, Glenn, avec un Jeep de 45 000 piastres. Oh, where's Homer? That looks like a Homer to me. That's the fishing musician. Y a-tu bien pogné des poissons? Allez, moi, j'en ai une dernière, Paul, avant de partir. Moi, j'ai un ami, demain soir, on est vendredi, demain soir, à Woodbine, à Toronto, ami Ron McClellan, propriétaire du McDonald's ici en ville. Il a deux chevaux qui partent pour une bourse de 100 000 $ de la finale du Diplomat Pacing Series. Wow. Bonne chance, Ron. Well, good luck, Ron. They do a lot for our community. Absolutely. So we wish them the best on that. And on that note, we are going to get out of here. EdgeTVShow.com. Check us out there. If you've got anything to say, say it. Send us an email. Well, see, I scratched my nose again. Pas encore. Yeah, I did, right at the end. It's supposed to be... It's, avec la leçon. You know what? It's my way of telling Renee I love him. I picked my nose. Down!
We used to do that with every stick, pick our nose and flick it. Anyway, peace out. That's it. That's it. We're over.